Eh ben salut les Maurice, salut les amis, allez on se retrouve sur Euro Truck 2, enfin ETS 2 maintenant. Donc on fait une petite partie et là on va aller du côté du Mexique. Et oui j'ai téléchargé une carte mexicaine. Alors qu'il m'a mis un tas de modes dedans. Je pouvais j'ai désinstallé et réinstallé mon jeu parce que j'avais des problèmes avec Cheat Engine. C'est marrant, je pouvais mettre de l'argent autant que je voulais, mais je pouvais pas monter en XP. Donc là je l'ai pas fait. Je lui ferai peut-être après de monter au moins en argent en XP pour pouvoir vous donner beaucoup plus pour parce que ça force est bon si vous voulez monter des niveaux si vous voulez tout le temps faire sans tricher c'est assez long. Donc et là ça m'a carrément changé l'interface, enfin changé, regardez ça m'a mis petit bonhomme là. Là ça m'a mis vous voyez la radio c'est comme ça, la carte du monde c'est comme ça, moi je vais vous faire voir la carte, vous voyez. Voilà un peu à quoi ressemble la carte, vous voyez. Voilà. On est au Mexique, voilà, pour ceux que bah, je mettrai peut-être le lien de, dans la description. Donc là on va aller faire un petit comment dire, une petite livraison pour voir un petit peu comment c'est. Mais je crois que dedans ça m'a mis des trafics il me semble, et puis ça m'a mis je sais pas quoi. On verra. Allez c'est parti. Oui, un peu donc un peu pour l'instant l'environnement, vous voyez. Et c'est parti. Alors le voyez le GPS là, ça me fait bizarre. Attendez, je vais voir si je peux le. Ah. D'accord. Ah ouais, là c'est beaucoup mieux. Allez, bah c'est parti. C'est parti les amis. Ouais, on roule dans un DAF. Donc voilà. Allez, c'est parti. Attends. Ouais, c'est bon, c'est la putain. Donc on va essayer de faire les deux points d'interrogation. Bah, il a l'air d'avoir personne, on y va. Bon, je suppose que Mexique on roule à droite. Hein. Voilà, petit coup de freeze. Ce que je vais faire, je vais passer par là pour pouvoir passer devant les trucs. Pour au moins découvrir les concessionnaires. Ah, concessionnaire Renault, bon. Allez, une agence de voyage, de recrutement. Bon, ben, à l'environnement, je sais pas ce que vous en pensez, ça a l'air d'être sympathique. Et oui, du coup, attendez, du coup, là, on va de Pochita à Acapulco. Acapulco. Et on a, je sais même plus combien de bornes à faire. On va le voir tout de suite. On a 200, 170 bornes. Voilà. Allez, c'est parti. Bon, ça a l'air d'être sympathique, cette petite map là. Là, putain, mais je l'ai pas vu arriver, le connard. Oh mais il y a des Kenworth. Ah ouais, c'est ça le. Son trafic qu'il m'a mis. Ouais. Oh putain, je vais me taper tous les feux rouges ou quoi là. Abruti. Quoi, y a un Dodan là, je vois qu'il a fait une espèce de Dodan. Putain, c'est tout en jaune, non, je sais pas. Putain, y a pas beaucoup de trafic par contre. Hein. Y a des bus, on a un message, je sais, on recrute, je sais pas quoi. Par contre, là, je sais pas combien on peut rouler. Faut mettre le feu là. Et il est 10h15 du matin. Oh, c'est bizarre, il n'y a pas de voiture. Bah, ça va fort bien. S'il n'y a pas de voiture, tant mieux. S'il y a que des camions, trafic, machin, là, ça me va complet. On se croit seul au monde. Oh, je suis le seul survivant. Bon, allez, parlons un peu de farming, les amis. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, donc j'ai eu pas mal de commentaires sur la ferme maraîchère. Ça m'a fait plaisir, d'ailleurs, des commentaires intéressants. Donc voilà. Et je vois qu'il y a pas mal de monde qui attendent l'aventure aux USA avec impatience. Donc le 2, normalement, ça arrive. Il faut que je fasse un peu le ménage dans mes modes. Il faut que je continue un petit peu à préparer. Putain, mais on croirait que ça va faire nuit.
putain, mais il n'y a pas une bagnole. Mais il a enlevé le trafic de bagnole, il a juste mis des camions dedans. Sans déconner, c'est vrai? Putain, c'est un peu couillon ça par contre. Regarde, je fais que de croiser des bus ou des camions. Il n'y a pas de voiture, ouais. J'aurais bien vu une petite coccinelle, moi, ou un truc comme ça, les mecs. Oh là! Chica, chica, chicarita! Je sais pas si ça veut dire quelque chose, mais en tout cas, ça fait bien notre Mexicain. Putain, les Mexicaines, oh là! Salma Hayek, oh là là, qu'est-ce qu'elle est bonne, elle! Oh là là! Ah, mais attendez, on va faire une petite pause. Attendez. Mettre un peu de musique. Voilà, c'était en direct. Hein. Oh, me plaît pas cette musique. Oh, c'est la musique de YouTube, hein, excusez-moi, mais. Allez hop, on va partir là-dessus. Allez, c'est parti les amis. Ah, on va doubler des bus, enfin on double des voitures. Wow, magnifique, magnifique. Ah, le magnifico, Chicharito. Ah oui, Chicharito, c'est l'attaquant qui joue à Manchester United, mais je sais même plus où il joue. Allez, on double des bus, ouais, magnifique, oh, mais il y a que des bus, ah ouais, il nous a foutu des bus et des camions, oh putain, c'est con qu'il a enlevé les voitures. Comment ça marche, on peut payer, passer sans payer. J'arrive un peu fort, là. Putain, putain, mais il y a que des bus au Mexique, là. Oh, là, il joue. Allez, on s'en fout, c'est pas nous qui payons. J'aurais pu prendre le TPA, je crois qu'il y en avait un à côté. Allez, on a 132 km à faire. Tranquille, les amis. Impeccable. Je vous laisse apprécier la musique. Quand ça, c'est un peu rock, un peu métal. Pour métal, mais. Oh, mais il va où, lui? Il croit qu'il va me doubler? Non, mais attends que j'accélère, mon gars, là. Oh, il va où, là? Bon, pour qui là? Oh, t'es pris pour Jesus ou quoi là? Oh, Jesus là! Fini le Jesus là! Oh! Pépito là! Oh! Ah bah si, il y a une voiture! Oh putain, une voiture qui me double! Oh, mais se réveille les Mexicains! Oh, bah, qu'à 11h10, ils ont fini! Ils se réveillent à 11h! Bah si, il y a des voitures! Oh, putain, j'ai eu peur! Bah si, il y a des voitures! Ah oh, bah, il y a plein de voitures, un peu de bus! Oh putain! À 11h du matin, ils se réveillent les Mexicains! Mexicanos! Putain, mais qu'est-ce qu'il a? Le bus, il va me doubler, le camion? Putain, je roule à 110, il va me doubler? Non, mais t'y crois, toi? Viens, tiens! Oh, tu vas me doubler, le bus? Non, mais t'es taré, non? Non, mais d'où t'as me doublé? Oh, je suis à 120 km/h, l'autre, il va me doubler? Non, mais il a vu la Vierge, non? Oh, c'est chaud, là. Oh, c'est chaud, là. Waouh! Attention, pousse-toi, toi! Pousse-toi, connard, là! Dégage, tu me fais perdre tout mon élan, espèce d'abruti, va. Oh. Encore un qui finit, restant de bras, finit la piste, nom de Dieu. Voilà, pourquoi ça ralentit, il y a du monde, là. Allez, c'est parti. Putain, je vais enlever les feux, hein, pour vous. Putain, mais arrête de frais. Putain, mais c'est les cons, cette espèce d'abruti, là. Qu'est-ce qui se déporte, ce connard, là? Putain, va te faire un papaouter là. Sérieux, mais s'il est con. Non mais connard, qu'est-ce qui se déporte là, bruti, 1% de dégâts, va. Oh putain, sérieux, non mais. C'est un con ce mec là. Putain. Putain, j'avais une tout. Regarde-moi le con là, qui veut me doubler là. Putain, je balancerais bien dans les barricades, espèce d'abruti là. Attends, je sais pas, j'arrive 90, là, 100. Un bus qui roule à 100 km/h. Marqué un camion. Non,
Non mais. Putain, mais quand je pense à l'autre con qui change de fils, cette tête de con là. Putain, c'est pas possible ça. Oh, mais vous y croyez, vous, sérieux? Ah, on est bientôt arrivé, les amis. Bon, pour l'instant, il y a un exceptionnel hein, dans la carte, cause. Hein. Il a pas changé. Merde, putain, comme un con, je vais. J'ai loupé la route. Enfin, j'allais pas prendre la bonne route. Ouais, j'aurais pensé que ça aurait fait un peu plus désertique. Peut-être dans d'autres endroits, c'est peut-être plus désertique. Je sais pas, le Mexique, c'est quand même pas. Enfin, je sais pas, j'y suis jamais allé. Pourtant, j'aimerais bien y aller. Ouais, petite Mexicana. Oh, ben. Petite danse mexicaine. Putain, on arrive à un péage ou quoi? Ah ouais. Ah ouais, merde, je pensais que c'était le télépéage, mais zombie. Ouais. Ah merde, pas assez avancé. Combien, 28 euros? Ah, ça va, c'est pour moi qui paye. Salut Maurice. Ah mais y'a personne. Putain, y'a le bus encore là. Putain, alors l'autre il veut pas me griller, s'enculer là. Ouais, je ferai 2 ou 3 épisodes sur cette carte mexicaine un peu, ça change un peu de l'Europe quoi. Puis ben, il manque American Truck arrive, mais je sais pas, on a plus de nouvelles. Franchement, hein, je sais que c'est fin septembre qui sortirait, d'après le dernier email que j'ai eu. Putain, mais il bombarde le bus, attends, c'est sérieux là. Regarde-moi ça, là. T'as mis quoi, t'as mis un moteur d'avion dedans ou quoi là? Formule 1. Et change pas de voix parce que je te fracasse la gueule, pauvre con. Ah bah je tourne, c'est bon. Alors là, je te défonce, je t'emmène jusqu'à Capuco, je te le dis, moi. Personne, non, y'a personne. Putain, reprendre une route normale, pas tant mieux. Ah bah on est qu'à 8 km, oh bah impeccable. On va même pas à Capuco même, apparemment, si. Je sais pas, j'ai pas vu marquer à Capuco. Ah bah non, moi je décharge avant. J'ai failli donc louper l'entrée, mon gamin couillon. Putain, et 1% de dégâts dans le cul, quoi. Où c'est qu'on décharge, s'il vous plaît? Ah là-bas. J'avais pas vu. Ouais, je vais me mettre en vue extérieure. De Dieu, mais ils ont du Dutch là-bas, au Mexique. De Dieu, Dutch, ils exportent à... Il s'exporte au Mexique. C'est à ferme. Hein. Et sincèrement, à la ferme, elle est d'abord plus jolie que sur Farming. Hein, sérieux. Quand tu vois les bâtiments, c'est vraiment sérieux. Non mais, je sais pas, j'aurais Giant, j'aurais un peu honte. Sérieux, moi j'apprécierais plus avoir une ferme comme ça dans la carte d'origine que la ferme qu'ils nous ont fait. Quoi. Ça ressemble à une vraie ferme, quoi. Et on va reculer doucement là, doucement, 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 c'est pas la peine de t'énerver. T'es observé. Ah oui, je suis observé. Ah c'est du tout. Tu as ta série sont revenus du labour. Merde, puis moi je regarde pas ce que je fais. Toujours pourtant. Et je joue à la manette les gars, je vous rappelle. Non, non, j'ai toujours pas installé le volant, toujours pas réinstallé le volant. Pourquoi ça veut pas, je suis pas au milieu? Oh putain. Sérieux? Ah. Allez, on a fait notre première livraison mexicaine, les amis. You. Allez, raisonnable, va te faire enculer. Là. 14,5 de dégâts, sérieux? Putain de connard. Oh. Fuck, putain, je lui foutrai une bombe dans sa bagnole la prochaine fois, cette espèce de con. Là. C'est quoi l'email que j'ai reçu? Un nouveau mail. Pas que j'ai des sous à acheter un Mercedes avec 2 200 euros, t'as bouge pas que... Allez, on va voir si on peut faire encore un petit transport là, tranquille. C'est où de ça, Morala, Acapulco, Morala, je sais pas si j'y ai fait. Tombant d'un coup. Oh, ça fait un peu petit, ça fait 4 minutes. Ça fait quoi ça? Ça fait pas. Oh, on a un camion américain!
Avec celui-là? Oh bah on va se le prendre les amis. Allez, on se fait le petit Peterbilt et après j'arrêterai la vidéo. Regardez, Mapazzo, Mexico. Oh ouais! Magnifique! On va un peu l'extérieur les amis. Ah mais c'est toujours la même livraison. Nickel les mecs. C'est parti les amis, on va livrer. Pff, on a eu 1 km à faire mais. Putain, puis on part toujours du même endroit, sérieux? T'es sérieux là? Ah, c'est bon, ça passe. Voilà. Ouais, j'essaye de filmer avec Shadowplay pour voir. Il est bien. Oh, putain, il est toujours rouge. Putain, sérieux, je vais pas mettre d'abord aussi longtemps qu'il allait faire un voyage à Tatooine hein, avec son feu là. Allez, on y va. Hop. Putain, ça fait bizarre quand même, sérieux. Si je me trompe pas, on va tourner là. Putain, sérieux, je me tape tous les feux ou quoi? Oh, y'a un coup qui s'est mis devant, putain, fuck toi. Connard, hein. Ton bus de cours national, je sais pas quoi, donc un truc de fou, toi. Et le coffre, il a le capot du moteur ouvert, vous avez pas fait gaffe. Oh, mort de rire. MDR, MDR, maintenant pour dire au calme, c'est au KLM là. Pff, allez, sérieux, vous pouvez pas parler les français, nom de Dieu. Allez. Mon Peterbilt, putain, j'étais surpris d'en voir. Ah bah ça m'évitera d'en mettre. Oula, 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 oula. Ah si, si, ça va le faire là. Voilà, vu qu'il faut que je redasse par contre là. Doucement. Redresse. Ouah, putain, mais s'il est long à redresser cette tête de con là. Putain, ça a l'air d'être maniable ces camions américains quand même. Oh, nickel. Allez, les amis, deuxième livraison. Hein. Et là, excellent. Bah oui, dis donc, on a fait 1 km. Phénoménal. Et on n'arrive toujours pas à passer le premier niveau, c'est pour ça que je vais voir si je peux les cheater les niveaux, parce que autrement on n'arrivera pas bien loin. Bon bah voilà les amis, dites-moi ce que vous en pensez, si vous aimez cette carte du Mexique ou pas, j'en ferai 2 ou 3 autres vidéos de temps en temps. Allez, salut les Maurice, portez-vous bien, salut tout le monde.